Allez, bienvenue sur Débat Foot Marseille. Je crois que c'est une émission au Fighting Spirit irlandais assez impressionnant, c'est ce qu'on dit d'habitude. On en reparlera tout à l'heure avec notre ami Jacques-Henri Hérault. Mais aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux super invités. Gaël Andonian. Salut Gaël, tu vas bien? Nico, ça va, impeccable. Ça fait plaisir de t'avoir là. Tu es dans le, tu as pris la place de Jean-Charles, hein. Ouais. Tu profites de son absence. Je le rendrai vite. Et Titi, c'est toi le boss. Bonsoir Nico. Le supporter le plus connu des Marseillais maintenant. Moi, je sais pas. C'est maintenant, les gens font la queue pour faire des photos avec toi, tu sais. Ah. Merci. Bon, merci d'être là Thierry, ça fait plaisir. On va parler de plein de choses avant que je donne la parole à Ryan, dis la voix. On va faire le petit décrassage de ce match OM Lille hier qui était quand même décevant en termes de résultats. On va parler de cette sanction FIFA qui pourrait faire très mal au club. Et on va parler un petit peu des dernières rumeurs mercato avant de vous donner la parole dans la fac. Ryan, comme dirait Ben, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans cette émission? Eh bien, vous mettez question de points dans les différents chats pour poser vos questions pour la fac. Ce sera à la fin de l'émission, comme tu l'as dit. Et continuez aussi à vous sub. Merci à Marakchi qui vient de le faire. 9e mois. Et il dit 9 mois de régalade totale Team FCM. Vous êtes les meilleurs. Donc voilà, merci beaucoup à toi et merci pour ta fidélité. 9e mois. Ça fait grave plaisir. Donc voilà, continuez à vous sub si vous avez Prime, bien sûr. Vous liez vos deux comptes, Prime et Twitch. Et vous pouvez bénéficier donc du coup d'un sub avec toutes les petites émotes FCM, avec un petit Longoria, un petit McCourt, ça fait toujours plaisir de mettre ça dans les différents chats. Et sur YouTube, abonnez-vous aussi, 60 000 abonnés bientôt. Objectif. L'objectif, Ben, il a redit tout à l'heure, encore quelques semaines, et il aimerait bien voilà, arriver aux 60 000 avant la fin du mois de janvier, donc c'est possible encore. Donc continuez. Faites plaisir à Ben, likez cette page. Exactement, voilà, bah, sinon vous pouvez voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, poser les questions et on les posera à la fin. Exactement, ça sera pour la fac et ça sera tout à l'heure et on va commencer par le décrassage. Allez, l'OM qui a fait un match nul un partout face au LOSC, c'était hier soir. C'était plutôt décevant, on va commencer par l'analyse à froid de ce match. Gaël, toi qu'est-ce que tu retiens maintenant avec un petit peu de recul sur cette rencontre? Ben, ce que je retiens, c'est que bon, le match il a été décevant, on va dire, au niveau comptable. Malgré tout, bon, on a perdu 1-0 pendant la majorité de la partie, on est arrivé à revenir. Mais bon, clairement, il a manqué des choses pour le gagner. Et, heureusement, je pense qu'il y a eu cette exclusion à la 30e minute de Benjamin André, parce que je pense qu'à 11 contre 11, ça aurait été différent. Mais bon, c'est sûr que ça n'a pas été un super match, donc voilà, on va en parler pendant l'émission. Exactement. Il y a deux théories par rapport à cette expulsion. Ouais. D'un côté, tu dis effectivement, Lille, ils avaient bien compris le coup, ils te prenaient en transition sur les pertes de balles, ils te faisaient très mal en vitesse. Ouais. Mais d'un autre côté, tu te dis, à un de moins, ils sont encore plus recroquevillés, et ça a été encore plus difficile, même si tu as eu des occasions en seconde mi-temps. Quoi. Donc ouais, c'est vrai que l'un dans l'autre, je ne sais pas si cette expulsion... qu'est-ce qu'on pense, toi, Titi? Qu'est-ce que tu retiens de ce match? Bah, un peu, on a le syndrome du Vélodrome avec cette équipe. Que plus le championnat avance dans la compétition, plus les équipes jouent bloc bas. Et comme ils savent qu'on a des difficultés à contourner ces blocs bas et à marquer des buts, donc Lille en plus a ouvert le score. Donc c'était tout bénef pour eux et ils ont... jouer avec cet avantage au tableau d'affichage une bonne partie du match parce qu'on égalise qu'à la 75e minute et ça a été compliqué parce que même en ayant égalisé avec un carton rouge à la 30e minute, on n'a pas su gagner le match quoi. Donc je trouve qu'on a ce syndrome du Vélodrome cette année. C'est vrai, les équipes elles viennent quand même en nous attendant pour mieux nous contrer. Ça a été un petit peu ça. On va passer au fait du match. Et messieurs, pour vous, est-ce qu'il y a un fait marquant dans ce match-là, Gaël? Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi qui... ou le moment où le match aurait pu tourner ou quelque chose de marquant pour toi? Il y en a eu plusieurs, je pense. Le carton rouge, déjà, c'est un vrai tournant. C'est vrai. Il prend deux jaunes en quoi? En 5 minutes? Il prend deux jaunes, ouais. Surtout un joueur comme Benjamin André, qui est un joueur expérimenté, etc. Après, quelques minutes après l'exclusion, même en 11 contre 10, il y a Paul Lopez qui fait un arrêt, je crois que c'est sur une tête de la Nagantur, qui me semble. Ouais, franchement, si, voilà, ça, c'est un autre tournant du match, parce que si à ce moment-là, l'attaquant lillois, il marque... La 2-0, c'était le match est plié, je pense qu'on n'y revient pas, donc...
Donc voilà, c'est un peu les deux tournants du match, je dirais. Après, il y en a sûrement d'autres, mais... Toi, tu as un autre fait du match, ça peut être extérieur. Toi, tu étais au stade, Thierry. Tu as peut-être un autre fait du match, un truc qui t'a marqué. C'est pas forcément... Ce qui m'a marqué, c'est les nouvelles règles. Les arbitres ont des nouvelles consignes sur les contestations de joueurs, puisque Guendouzi, au bout de... Oui, il a pris un jaune cash. Un jaune cash alors qu'il avait pratiquement rien dit. Ouais. Et Benjamin André, c'est pareil. C'était light, franchement. Il a protesté, mais il a dit deux phrases, l'autre, il a sorti. C'est ça, ça a été light, tac, il a pris rouge sans vraiment comprendre ce qui y arrivait. Quoi. Donc, Après, c'est peut-être un mal pour un bien, j'ai envie de dire, parce que si on commence à être sans pitié avec ça, peut-être que les joueurs ils vont arrêter de parler. Quoi. Mais c'est possible, de toute manière, il y a toujours un avant et un après. Il y a une période de transition où ça va être difficile, mais après, ça va se détendre. Mais même après, Guendouzi, il a joué un peu, je trouve qu'il a un peu joué avec le frein à main. Par rapport au carton jaune qu'il a reçu en tout début de rencontre, et parce qu'il n'a pas eu le même rendement que... Lui, il ne fait que parler, hein, que d'habitude. Puis oui, les partenaires, les défenseurs, l'arbitre... Bah, à la fin du match, tout le monde a la tête comme ça. Non, je trouve que c'est... Il va falloir faire avec maintenant, et en plus, hier soir, monsieur, je ne sais plus comment... Delerue, c'est ça, il avait la gâchette facile et... Il a un peu un comportement quand même... Assez... Excès d'autoritarisme, moi j'appelle ça. Il faudrait un peu de psychologie, je pense. Moi, en tant que joueur, alors à la limite, le carton jaune pour contestation, d'accord, après la 30e minute, il fait deux tacles, surtout que bon, il n'a pas coupé en deux non plus. Il y a faute, c'est sûr, c'est indéniable. De là exclure un joueur, de pénaliser l'équipe, bon, nous on est Marseillais, donc bon, ça nous arrange à nous, tant mieux. Si on était Lillois, bon, je pense qu'on n'aurait pas le même discours. Après, je pense qu'à vitesse réelle, t'as vraiment... c'est spectaculaire, en fait. Ouais, mais l'arbitre, il est proche quand même. Guendouzi se relève. Benjamin André, on sait que c'est pas une tueur à gage non plus. C'est sûr. Moi, je trouve que... Je crois que c'est Mikou qui disait ça, que ouais, c'était un petit peu sévère. Après, bon... Après, c'est un deuxième jaune. Hein. Ouais, voilà. Le premier, il est toujours bête parce que c'est pour contestation. Ouais. Et sur la faute, sur le tacle qu'il fait, s'il fait pas la contestation avant, il prend juste le jaune et puis il continue le match. Et il finit le match. Mais bon, dans l'absolu, le jaune, si c'était pas le deuxième, je pense qu'il est moins contestable. En fait, c'est ça. S'il n'y a pas le premier, le jaune, il y est. Mais l'arbitre, il n'est pas censé prendre en compte. Enfin, il le fait, mais prendre en compte totalement. Mais ce que tu dis là par rapport à ces nouvelles consignes, on va dire, il y a au début d'année, là. Ouais, mais début janvier. On va voir vraiment si ça s'applique jusqu'au bout. Parce que tu sais, des fois, il y a des nouvelles consignes, souvenez-vous, avec. À l'époque, les tirages de maillots dans la surface, je me souviens d'un match avec le PSG. Oui, sur les corners. Ou sur les corners. Chaque corner avait pénalty. Ouais. Pénalty à chaque. C'est vrai. Et ça c'était un petit peu. Ça avait un peu disparu au fur et à mesure. C'était éphémère. On va voir avec la phrase qu'a eu vendredi. C'est quand qui. Samedi. Mbappé. Mbappé, là. Avec l'arbitre. On va voir si. Oui, mais c'est Mbappé, c'est un statut spécial. Non, mais... Si c'est réellement suivi par les arbitres, s'ils appliquent réellement les consignes, logiquement, ils devraient être suspendus. Comme l'a été à l'époque Payet, comme l'a été... Mais je pense qu'on verra. Je ne vais pas m'avancer, mais on verra, on va suivre ça avec attention. On va terminer un petit peu ce décrassage avec le fameux Man and Merguez. Un petit peu les déceptions et les joueurs que vous avez trouvés un peu au-dessus. Tiens Thierry, tu vas commencer. Est-ce que tu as un Man of the Match, quelqu'un que tu vois un peu plus haut que ses partenaires, côté olympien, forcément? Ben, c'est Ngiz, hein. Wender. Ouais. Heureusement qu'il est là, puisque bah, il nous sauve déjà à Bordeaux. Mmh. Et puis hier, il nous met un joli but enroulé de son pied droit, alors que son pied, c'est son pied gauche le pli est le plus fort. En général, quand t'es gaucher, le pied droit, il sert juste à monter dans le bus. C'est ce que j'allais dire. Comme quoi, il a fait mentir la... C'est vrai que même avant le match, à l'échauffement, tous ses enroulés avant le coup d'envoi, il les a toutes mises. Pied droit Pied droit, pied gauche. Il est travaillé déjà à l'échauffement À l'échauffement, d'accord. Mais elles sont toutes rentrées. Ah ouais, bon, après, c'est l'échauffement. Oui, bien sûr. Mais comme quoi, enroulé. Comme quoi. Il a un enroulé. Et en plus, moi, hier, j'étais placé vraiment au milieu. T'es quoi, en jambouin derrière le... En Corbeil Sud, j'étais. Et l'enroulé, mais quand il a fait partir le ballon, je savais qu'il y avait but, quoi. Ouais. Parce que la trajectoire, on la voit bien. Sortante et rentrée. Et la frappe de Gerson, tu l'avais rentrée ou pas? C'est plus compliqué parce qu'il est elle plus... Revient, en fait, elle revient, mais elle rentre. Ouais, la télé, c'était incroyable. Ouais. Il sort et rentre au dernier moment. Est-ce que toi, tu vois le même Man ou un autre dans ce match? Pour changer, je vais dire le gardien, parce que... pour Lopez. On va dire que, bon, Andy, c'est vrai que Wunder, voilà, il sauve encore l'équipe. Et bon, c'est, on va dire, un des rares à avoir amené un peu de percussion. Il prend l'initiative. Voilà. C'est ce qu'on peut leur reprocher, je pense, sur ce match. Ça a été un peu... pas attentiste, mais quelquefois, c'était du handball, quoi. C'est vrai. Surtout en deuxième mi-temps, où voilà, il manquait un peu de joueurs qui percutaient, qui pouvaient éliminer. Donc, je vais dire
on va dire, le portier marseillais, parce que bon, mais voilà, je pense que c'est lui qui permet à l'équipe de rester dans la partie. Il fait trois arrêts décisifs en première mi-temps. Voilà. Après, en seconde, il a plus grand-chose à faire. Non, voilà. Mais en première, il fait trois arrêts décisifs. Ah, franchement, la tête. Ouais. Bon, la frappe fait des beaux arrêts, mais la tête à bout portant, fait, je pense que tout le monde la voyait au fond. C'est clair. Mmh. Après, Bourak, il la met pas parfaitement bien. Non, mais bon. Pour s'y jouer chipoté. Quoi. Il a bout portant, quoi. Ouais. Donc le gardien, il n'est pas. Bon, fait, non, voilà, il est réactif parce qu'il ferme vite. Ouais, il suit le ballon, il l'accompagne. Donc voilà, j'aurais. Non, il a été très bon, il a été rassurant, moi, je trouve. Ouais, ouais. Et il n'a pas de bol de prendre ce but sur corner, parce que juste avant, il fait une super parade sur une frappe de Bourak qui est déviée. Il la sort super moment. Ouais. Et sur le corner, le joueur est seul, il ne peut pas grand chose. Il peut rien faire, il peut rien faire. C'est dommage, c'est vrai que là, on voit. T'es un bon gardien quand même. Hein. Oui, parce qu'il y a eu souvent cette polémique, Mandanda, pas Mandanda. Moi, je veux pas penser à Mandanda là. Là, on voit le gardien qu'on a. C'est rassurant. Ah non, on a récupéré un très bon gardien. Hein. Ouais, complètement. Mais là, il a signé, maintenant, c'est officiel. Sention ou pas, on en parlera tout à l'heure. Thierry, est-ce que tu as une merguez dans ce match? Est-ce que tu as vu un joueur en dessous? Merguez, le terme est un peu fort. C'est un peu pour la blague. Est-ce que tu as vu un joueur un peu en dessous? Je mettrais. Plusieurs, t'en as peut-être plusieurs, tu peux faire un sandwich. Non, un seul, je. Booba. T'as trouvé Camara en dessous, toi, sur ce match-là? Bah, sur ce match-là, je ne l'ai pas trouvé transcendant au milieu de terrain. Je le trouve trop gentillet, quoi. Ça casse pas de ligne, ça percute pas. C'est. Ah, c'est pas à lui de faire ça, quand même. Mais où. Il y a des milieux de terrain quand on est milieu de. Il est installé au poste de milieu de terrain maintenant, il n'est plus défenseur central. Sûr, sûr. Donc, quand on voit le niveau de. Il joue défenseur central quand terrain, t'as pas la balle, quand même. Il vient se mettre. Ouais, il redescend des milieux. Il redescend, quand même. Mais plus box to box. Ouais. Mais je le trouve pas assez percutant, pas assez décisif dans ses prises de balles. Quoi. Ça frappe pas, c'est. Okay. Ouais. C'est comme tu dis, de l'aller-retour sur la latéralité du terrain, comme au handball, un coup à droite, un coup à gauche. Ouais. C'est le problème. Pour moi, c'est loin d'être son meilleur match, mais je serais pas aussi dur que toi. Toi, est-ce que tu as quelqu'un que tu as trouvé? Non, au stade, moi j'ai trouvé ça. Après, au stade, c'est différent des fois. Moi, c'est vrai qu'à la télé, j'ai pas trouvé que. Mais au stade, des fois, c'est différent. Bon, moi, merguez, je. Donc, je donne pas de merguez. Ouais, j'aime pas ce mot. Non, mais est-ce que tu trouves. Mais un qui a été un peu en difficulté, bon, je vais dire Milik, parce qu'on l'a pas trop vu, il a été remplacé, donc bon, voilà. Il rate une énorme occasion. Il rate une occasion, après, il en a pas eu beaucoup, et puis. Je pense que la physionomie du match, elle n'a pas aidé, parce que déjà, il y avait ce bloc bas de Lille. Alors, il avait deux colosses aussi. Il avait deux monstres en face. Lui, il était seul, donc je pense qu'un attaquant seul dans un match comme ça, c'est compliqué. Et puis alors, quand il y a eu le carton rouge et qu'ils sont tous redescendus dans leur surface, là, c'était très, très compliqué pour lui. Donc, pas merguez, mais bon, il n'a pas été trop en vue. Mais justement, on discutait, on a fait le live hier ici. Ouais. Et moi, je disais, je suis déçu par Milik parce que... Pour moi, l'occasion qu'il a où il met un peu l'extérieur, là, qui part au-dessus, ça, il doit être tueur, il doit marquer ce genre d'occasion. Mais à contrario, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que je trouve qu'il n'est pas bien servi. Je trouve qu'il y a beaucoup de centres qui passent au-dessus, je trouve qu'il n'y a pas des bons timings pour le servir. Et des fois, quand il fait l'effort de décrocher, il donne le ballon, il crée tout de suite un appel, on ne le sert pas. Je trouve qu'ils ont du mal à le trouver, en fait. Je trouve que le collectif n'a pas encore réussi à assimiler Milik. Et comme disait Ben, ça fait quand même quelques mois qu'il est revenu. C'est pas normal que ça soit pas encore un peu plus huilé que ça, quoi. Il y a un problème, je trouve, collectif avec Milik. Ouais, c'est vrai. Enfin, je sais pas ce que Thierry en pense, mais... Après, il a pas beaucoup de ballons. Hein. Non, mais c'est ça. Ouais, mais c'est pas normal, ça. Il devrait lui donner plus de ballons. Mais il n'y a pas d'appel, il n'y a rien. De toute manière, c'est... Mais des fois, il fait les appels, mais il n'est pas servi. Mais je suis d'accord, il n'est pas servi. Mais le problème, c'est que... Je te dis, c'est notre problème, c'est au milieu de terrain, on n'est pas assez décisif dans nos... Dans nos prises de risque. Enfin, d'initiative. Alors, est-ce que c'est les joueurs qui hésitent, qui ont peur de prendre des risques, de peur de se faire taper sur les doigts après parce qu'ils perdent un ballon ou si ça crée une occasion de but pour les adversaires? Mais c'est pour ça que j'ai mis Booba un peu en dessous sur le match d'hier, parce que avec Guendouzi qui prend le carton jaune, il a été un peu limité dans sa percussion et tout. Et je trouve que Booba, il profite pas de ça, de percuter, parce qu'il a une bonne frappe de balle, il a déjà frappé et tout, mais je le trouve pas assez décisif là-dessus. Moi, j'ai envie de te dire, moi, ce qui me frustre le plus, ce qui me déroule le plus, c'est que tu dis derrière Milik, il y a Payet et il y a Gerson. C'est eux qui doivent donner des ballons, quoi. Mais ce qu'il y a à la décharge de Milik, c'est qu'en première mi-temps, je trouve que le fait que Payet ait été décalé complètement côté gauche... Ben voilà, après il faudrait discuter avec le coach pour savoir pourquoi, etc. Mais Milik, on le voit beaucoup quand il combine avec Payet. Quand Payet, il est juste derrière lui, assez haut. C'est pour ça qu'en deuxième mi-temps, bon, ils étaient à 10 encore une fois à Lille, donc il y avait encore moins d'espace. C'est vrai.
Mais quand Payet est au cœur du jeu et qu'après il a le temps de se décaler côté gauche pour créer un décalage, là je trouve que c'est différent, il se passe quelque chose. Première mi-temps, le fait qu'il soit resté côté gauche, Milik il était pas trop servi, Payet c'est pas... Et Payet on l'a pas trop vu non plus. Ben ouais, parce que c'est un mec qui joue au ballon, c'est pas quelqu'un qui va percuter un contre-un même s'il peut le faire. Il y avait que Under côté droit. Donc voilà, Milik, je pense que s'il jouait avec quelqu'un, soit vraiment très proche de lui derrière, ou carrément avec un deuxième attaquant... Genre Bakambu, on l'attend. Voilà, il est qualifié un jour. Exactement. Et ben, déjà, les défenseurs, ils s'occuperaient plus que de Milik, et il y aurait un deuxième joueur. Ouais. Et même lui, ça lui laisserait plus de liberté, je pense. D'ailleurs, Sampaoli a un peu réactifié en seconde mi-temps, parce que Payet s'est retrouvé Payet plus axial, et c'est Under qui est passé à gauche. Voilà. Mais c'est vrai que je pense que le problème qu'il a aussi, Sampaoli, c'est qu'il veut faire jouer Payet, Milik et Gerson en même temps. Et par rapport au système qu'il a mis en place, ça lui crée un déséquilibre. Parce que du coup, il est obligé de sacrifier l'ailier gauche dans ce cas-là. Et c'est ça qui lui pose aussi un problème. Lui, il a aussi une équation à résoudre, Saint-Paul. On verra s'il le fera. En tout cas, ce match nul, ce n'est pas forcément un bon résultat. Parce qu'on va le voir, les concurrents ont plutôt été efficaces ce week-end. Avec quasiment tous les concurrents de l'OM qui ont gagné. Ren, tu peux me mettre le tableau, s'il te plaît. Désolé, je bannissais. Ah, tu bannis, tu étais en mode ban. Quoi. Bah oui, on est obligé. Allez, ça insulte encore sur les chats. Voilà. Donc, Nice qui s'en sort très bien face à Nantes. Moi, j'ai vu ce match-là. Je voulais voir la première dame à vie titulaire. Et franchement, ils s'en sortent bien. Mais ils sont efficaces, quoi, contrairement à nous. Monaco qui se régale face à Clermont. Lyon, pénalty pour Lyon, on le rappelle. Hein, c'est le pari sécure. Parce que celui-là, en plus, il est un peu cadeau. Et en plus, ils ont eu l'occasion de dingue contre eux à la dernière seconde. Ils s'en sortent miraculeusement. Bon, le PSG, je ne sais pas si on peut le mettre comme un concurrent. Et Lens, qui a aussi retourné le match face à Saint-Etienne avec encore un Seko Fofana. Seko Fofana, en ce moment, il marche sur l'eau. Donc, en fait, ils ont tous gagné. Mmh. C'est pas compliqué. Sauf nous. Voilà, sauf nous. Donc, ça, c'est pour la course au podium, c'est pas une bonne opération. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Titi ? Après, on est troisième avec un match en retard. Donc oui, toujours le match à Lyon. Bien classé. Donc, si on gagne le match en retard à Lyon. Ben, on repassera deuxième. Hein. C'est ça. Donc, non, comptablement, c'est sûr qu'hier, c'est pas bon parce qu'on perd deux points à la maison. Mais après, il ne faut pas oublier non plus qu'on a joué le champion de France en titre. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Ouais. C'est une belle équipe. C'est quand même une belle équipe de Lille. C'est pas non plus. Même s'ils ont été décevants en début de oui, saison, non, ils ont pas trouvé parce une certaine dixième, stabilité. Enfin, là, ils sont dixième actuellement ou neuvième, quelque chose comme ça, au classement. On va regarder après le classement. Que c'est une mauvaise équipe. Hein. Il y a quand même des beaux joueurs dans cette formation. Donc, non, puis Gourvenec, j'ai l'impression qu'il a trouvé vraiment une façon de jouer. On l'a vu hier, hein, il nous a bloqué l'axe central pour qu'on passe sur les côtés, donc il y a eu énormément de centres, alors qu'il fallait qu'on passe au sein de la défense centrale, et moins centré, mais avec les deux tours qu'il avait en défense centrale, ben les centres, il n'y avait pratiquement pas de chance que... Ouais. Quand t'as Font et Botman, les mecs costaud, chauffent toute la tête. C'est costaud, hein, parce que même sur les coups de pied arrêtés, on n'a pas réussi. Ouais, quoi. C'est vrai. Pourtant, t'as du gabarit un peu avec Saliba, Tchaïta Tsar. Toi aussi, t'as du gabarit, ils ont un timing. Il est impressionnant, quoi. Ouais. Moi, j'ai vu, c'est un beau bébé. Hein. C'est un Golgoth. Ouais. Même offensivement, franchement, ils ont des joueurs. Hier, Renato Sanchez. Il nous a fait mal. Même Bourak, dans ses appels de balles. Il a fait mal. Ouais, avec David. Et Bamba, même. Bamba aussi. Ouais. À la rigueur, Bourak, l'avantage, c'est que vu qu'il est tout le temps en jeu, il flingue plein d'occasions. Mais je trouve que David était encore plus dangereux parce qu'il a la vitesse. Et c'est vrai que quand ils se sont retrouvés à 10, qu'il a recentré Sanchez et qu'il a laissé David tout seul à un moment donné, en fait, je me suis dit, oh là là, ils vont nous tuer parce que. Ils n'ont pas réussi à exister en seconde mi-temps, finalement, le LOSC. Ils ont trop reculé. Je pensais qu'une fois qu'Under a marqué, je me suis dit, c'est bon, là, on va les tuer. Mais non. Et finalement, tu n'as pas réussi à mettre ce deuxième but. Tu n'as pas été efficace. Bon, après, c'est un problème récurrent. C'est un peu. L'OM, c'est ça, un peu, ces derniers matchs. C'est un peu stérile, on va dire. Ouais, c'est ça. Tu as la possession, tu joues bien, mais. Tu as des occasions quand même, hein, mais tu ne les mets pas. Ouais, t'as des situations. C'est pas des grosses occasions. C'est des situations, on va dire. C'est des situations, mais pas dangereuses. Et parce que tu te rates les frappes. Si tu as, comment on disait, 16 tirs, 6 cadrés seulement. T'as un problème sur ton dernier geste. Mmh. Milik, quand il est juste face au but et que la frappe, elle part au-dessus, quand Luan Perez, il a une tête à bout portant, il arrive à la mettre à côté du but, bah, tu te dis, là, il y a quand même un problème de finition. Quoi. T'as des occasions franches pour moi. Ça, c'est des occasions franches. Si le mec, il cadre, c'est but. C'est quand même dingue, quoi. Vraiment, ça m'énerve. Ah, Nico, on nous informe et ils ont raison. On a oublié Rennes dans les concurrents. Enfin, Ben ne met pas Rennes volontairement.
Rennes qui a écrasé ben oui. Girondins de Bordeaux. Mmh. Ils ont totalement raison, parce que Ben à chaque fois nous dit non mais Rennes c'est pas un concurrent. Ben n'aime pas Rennes, c'est pour ça. Ouais, il se dit que c'est pas un concurrent, sauf que bon, ils sont juste derrière nous, on va voir le classement du coup. Voilà, t'as raison. Mais le classement, parce qu'effectivement c'est Rennes qui est quatrième. Plus qu'un concurrent même. Ouais. Bon après ils ont eu un creux, Rennes, et là ils se sont fait plaisir face à Bordeaux. Ouais. Donc comme tu disais, Lille ils sont dixième. Hein. Mmh. Ils sont dixième. Après c'est serré quand même. Ouais c'est serré. C'est serré, tu sens que ça peut aller très vite quand même. Moi franchement Lille j'ai bien aimé hier. À 11 contre 11, je suis curieux de savoir le match. Ouais. Bah, je tenais pas cher de notre pot. Hein. Bah, comment le match est parti en tout cas les 30 premières minutes, d'habitude, je trouvais qu'on n'avait même pas la maîtrise du match en fait. Ouais. D'habitude on l'a, franchement il n'y a rien à dire. On n'a pas su démarrer le match en mettant les bons ingrédients. Mais je pense que de suite Lille a pris le dessus. C'est parce que tu n'as pas été assez, je trouve, précis techniquement. Et du coup tu leur as donné des ballons pour aller vite te faire mal avec justement Sanchez, avec la vitesse, etc. Tu leur donnes trop de munitions quelque part. Mais Lille, après, d'un autre côté, moi je me méfie parce que ce genre de jeu, ça va face aux équipes qui jouent. Et en Ligue 1, il n'y en a pas tant que ça. Parce que quand ils vont se retrouver face à des blocs bas, Lille, je me demande ce qu'ils vont faire. Parce que là, les mecs, ils ne vont pas pouvoir se lancer. Hein. Sanchez, il n'aura pas l'espace pour se lancer comme ça. Ouais. Donc, tu vois, il faut aussi voir contre qui tu joues. Mmh. Lille, je pense que leur jeu correspond bien pour emmerder l'OM en étant mal poli. On l'a vu au match aller, on n'avait pas existé. Donc, ils ont un jeu qui te contrarie. Mais je ne suis pas sûr que c'est un jeu qui va contrarier toutes les équipes de Ligue 1. Donc, on verra. Dixième aussi, il faut qu'ils rattrapent des points. 10 points par rapport à Nice, il va falloir aller chercher. Non, puis après, ils ont toujours la Ligue des Champions. Ils sont en 8e de finale avec des Champions. Ils font une belle campagne. C'est étonnant. Hein. C'est assez étonnant parce que moi, avec Gourvenec, je n'ai pas trop confiance. Mmh. Finalement, ils s'en sortent pas si mal que ça. Tu peux juste remettre un peu le classement, Ryan, s'il te plaît ? Oui. Parce qu'en fait, on voit Monaco qui remonte, mine de rien. Ils ont changé de coach. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi. Lens qui se replace un peu, parce que aussi, c'est des équipes qui ont eu des trous un petit peu. Et là, quelque part, un petit peu, les invités surprises, c'est Strasbourg et Montpellier qui sont là. C'est assez étonnant, Strasbourg qui a retourné le match. Même Nantes, enfin, 9e place. Hein. C'est vrai. Avec Camboré, c'est vrai, c'est assez surprenant. Mm. Mais bon, c'est pas des équipes qu'on imagine non plus venir lutter pour le podium. Alors que Rennes, Monaco, bon Lyon ils sont encore plus loin, mais Lille c'était un candidat aussi pour venir. Quand tu es champion de France, tu dois lutter pour le podium. Donc, là il y a un petit écart quand même avec Lille, mais c'est clair que Rennes-Monaco ça va être encore un petit peu compliqué. Donc il va falloir vite retrouver le chemin de la gagne et tu vas jouer à Lens samedi soir et ça va pas être simple. Ah ouais. Même si Lens ils sont un peu moins fringants je trouve, ils ont encore cette énergie et cette capacité à retourner les matchs. C'est Kofofana, on l'a dit, il faut le surveiller. Lui. Mais à chaque fois que j'ai dit qu'on avait des difficultés contre des grosses équipes à l'extérieur, mais finalement on joue mieux à l'extérieur, on arrive à mieux maîtriser notre sujet, et finalement bah, tu gagnes à Bordeaux, tu vas gagner à Strasbourg, tu gagnes à Nantes, tu gagnes... Peut-être justement parce que les équipes nous attendent moins. Ouais. Donc, mais parce qu'on les laisse faire le jeu. Ouais, voilà, ils sont à domicile, donc c'est à eux. Et puis toi, ça te laisse un peu plus d'espace, c'est ça. Et un peu moins protagoniste aussi à l'extérieur. Sampaoli il joue différemment, il a déjà dit. C'est vrai qu'il avait expliqué qu'à domicile, bon, même si là le public il y en a un peu moins, tu peux pas jouer comme ça, tu peux pas attendre au Vélodrome. Quoi. Déjà, hier, ça sifflait, il y avait 5000 personnes. J'étais au stade. Donc lui, il le sait qu'il ne peut pas faire ça. Donc il se le permet un peu plus de temps en temps à l'extérieur, surtout quand en face, il y a des équipes un peu protagonistes. On l'a vu avec Strasbourg, c'est une équipe qui joue au ballon. Mm. Là, il les a un peu attendus et ça les a surpris. Lens, ça va être intéressant parce que Lens aussi, c'est une équipe... Ah bah, on va voir. Puisqu'ils nous ont battus au match aller. Hein. Ouais. C'était un des plus beaux matchs au Vélodrome. Là. Ils nous avaient bien dominés en plus. C'est une des premières équipes, je me souviens. C'est la première défaite. Ils nous avaient vraiment... Parce qu'on perdait 2-0 contre eux. Ouais. Tu reviens à 2-2 miraculeusement. Tu peux tuer le match en début de seconde période. Under sur la barre. Exactement. Mm. Et finalement, mais globalement, ils avaient quand même dominé le match en vrai. C'était pas usurpé cette volé, victoire. Ouais, non, c'était pas volé. Mais le nul aurait été. Ça peut tourner. Oui, le nul aurait pu arriver parce que tu as eu des occasions. Même si dans le jeu, ils avaient été quand même supérieurs, je trouve. Mais ça, tu avais enchaîné avec la défaite à Lille. C'est les deux défaites de suite. Mm. Donc ça va être intéressant ce match-là. Ça sera samedi soir, on l'a dit, Titi. Et Mourad, normalement, sera là-bas. Voilà, on va clôturer ce match-là et on va passer sur les sanctions FIFA, c'est le gros débat. Et oui, parce que ça nous est tombé un petit peu sur le coin de la tête juste avant le deuxième match du Sénégal. Sanctions pour l'OM et Pape Gay, pour cette fameuse histoire de transfert, enfin de contrat qu'il avait signé à Watford, qui lui, il a estimé résilié et ensuite il s'est engagé avec l'OM. Il y a eu un recours et la décision de la FIFA est tombée.
4 mois de suspension pour Pape Gay, une amende à payer de 2,5 millions d'euros, je crois, pour le club, wow, pour Watford. L'OM suspendu 2 mercato et une indemnité à verser à Watford. Watford demande 10 millions d'euros. Bon, pas sûr qu'ils auront les 10 millions d'euros, ça on verra. L'actualité, c'est que l'OM a saisi le TAS pour faire appel de cette sanction. Il y a une première décision qui est tombée pas plus tard qu'il y a une heure. Pour l'instant, il y a une suspension de la décision concernant Gay. Donc Gay peut rejouer. Ça, c'est une première chose. Le dossier de l'OM, c'est à part. Ça peut être suspendu aussi, mais ce n'est pas encore décidé. Avant de vous donner la parole, j'ai fait un petit historique pour qu'on se rende compte un petit peu des éléments clés, parce que on dit Longoria était déjà là, etc., mais pas vraiment, en fait. Je vous rappelle vite fait le déroulé de l'histoire. Gay signe un pré-contrat de 5 ans avec Watford le 15 janvier 2020. Watford annonce son transfert officiel le 29 avril. Je me souviens, il y a même eu un tweet avec Pape. Ouais. Juste pour situer, Zubizarreta quitte l'OM le 14 mai de cette année-là. Gay annonce qu'il résilie son contrat avec Watford et il s'engage avec l'OM le 1er juillet 2020. Donc 1er juillet 2020, il n'y a pas de directeur sportif à l'OM, puisque le head of football n'avait pas été recruté encore. Donc pas de Pablo Longoria. Longoria, il arrive le 26 juillet. Il arrive quand même beaucoup plus tard. Et qui a fait ce transfert alors? C'est le président... C'est le président, feu le président... Feu Jacques-Henri Hérault. Jacques-Henri Hérault. D'accord. Toujours dans les bons coups, Jacques-Henri. février 2021, Watford fait un recours à la Chambre des résolutions des litiges. Et donc, 15 janvier, sanction de la FIFA, puis saisie du TAS avec, ce que je venais de vous dire déjà, la sanction qui a été suspendue. On rappelle aussi qu'il y a une clause de solidarité qui a été signée entre l'OM et le joueur. Donc l'OM va payer aussi les amendes. Donc c'est une histoire qui va coûter, ça. Mm. Déjà, toi, qu'est-ce que tu penses de cette situation? C'est quand même assez étonnant qu'un grand club comme l'OM, ouais, ait pris ce risque-là. Hein. Bah, ouais, ouais, c'est très étonnant. Moi, je l'ai appris, je pense, comme la majorité des gens là. Je ne savais même pas qu'il y avait une affaire en cours, mais ouais, c'est sûr que ça sent pas très bon. Parce que, ouais, il avait signé un contrat. Ouais, ouais, ce que j'ai compris, ouais, il avait signé un contrat. Je pense que l'OM a dû arriver, je sais pas par quel moyen, en cassant ce pré-contrat. Et a priori, c'est ça justement. Ça va jouer pour l'histoire de la sanction. Parce qu'en fait, s'il est prouvé que c'est l'OM qui a incité le joueur à casser ce contrat, l'OM va être sanctionné. Par contre, si c'est le joueur de lui-même qui a décidé de rompre ce contrat... Oui, mais est-ce que c'est légal même, le joueur? Je signe un pré-contrat avec quelqu'un, il y a un autre employeur qui vient me voir. Est-ce que j'ai le droit de casser le pré-contrat? Je ne sais pas. À la base, c'est ici un pré-contrat de 5 ans avec Watford. Ouais. Mais, il est libre de le faire parce que c'est en janvier. Il veut résilier son contrat parce que le contrat qui avait été signé avec son conseiller, okay, son agent, ouais, son agent n'était pas bon. Donc, contrat, salaire faible. Salaire faible. Dégressif, je crois. Dégressif, en plus, ouais, même pas progressif, dégressif. Et il devait être prêté à l'Udinese. Il devait être prêté à l'Udinese, qui est le club filial de Watford. Oui, parce que les trois clubs. Ouais, c'est ça. Donc, Grenade, l'Udinese et Watford. Et donc, il a changé d'agent. À l'époque, je crois qu'il y avait Bernès qui était... qui l'a conseillé pendant quelques temps, il lui a dit qu'il fallait qu'il casse son contrat. Donc après, ouais, je sais pas qui c'est qu'il a pris comme conseiller. Oui, c'est un autre agent, je connais pas le nom, j'ai vu, mais c'est un avocat, je crois. Et ils ont cassé le contrat et après, il s'est engagé libre à l'OM. Mais ces histoires-là, c'est toujours compliqué, quoi, avec la FIFA. C'est étonnant parce que c'est Pape Gay qui a signé le contrat quand même. Et oui. Ouais. Donc ça veut dire qu'il connaissait les tenants et les aboutissants. Mais lui, il estime qu'il a été un peu floué par son ancien agent. Ouais, il a eu une confiance aveugle. Ouais, il a eu une confiance et qu'en fait, il s'est retrouvé avec un truc. Il a dit, mais moi, c'est pas ce qu'on m'avait dit, en fait. Ah. Parce que c'était en anglais. Ouais. Enfin, il y a plein d'embrouilles, en fait. D'accord. Non, mais après, la vérité, on la sait pas. C'est pour ça que c'est difficile de savoir ce que va décider au final le TAS. Parce que la FIFA, s'ils ont décidé ça, c'est qu'il y a des choses. Il n'y a pas deux sanctions de mercato à un club par hasard. Donc, il y a quelque chose. L'OM, sur le coup, s'était dit, quand il signe, on savait qu'il y avait un problème. Par rapport à ça, tout le monde le savait. Ouais. Il y avait des clubs comme Angers, Strasbourg, je crois, qui étaient sur le coup. Rennes aussi. Rennes, et qui s'étaient retirés en disant, on ne sait pas trop, ouais, on n'y va pas. L'OM y allait. En plus, ils avaient fait un communiqué, je l'avais ressorti, de la direction, dans cette direction, qui disait, non, mais c'est bon, on est blindé juridiquement, on a étudié le truc, on est tranquille. Bon, pas tant que ça, finalement. On peut dire que Jacques-Henri, finalement, pas tant que ça.
Ben, c'est compliqué. Quand tu es un joueur, c'est la FIFA, à chaque fois qu'il y a eu un doublon de contrat, tous les clubs, de toute manière, les joueurs ont été sanctionnés. Ouais. Donc, je ne vois pas pourquoi l'OM passerait à travers les mailles du filet. Ouais. Ce qui est dommage, c'est pourquoi avoir signé à tout prix un joueur comme ça, qui avait signé un contrat. C'est qu'il devait avoir une fausse certitude, quelque part. Ils ont cru que c'était... que finalement, c'est... je pense que Pape Gay, il doit avoir des arguments. Bah même le club, je pense pas que Jacques Riero se soit lancé. Non, il doit avoir des arguments. Alors, est-ce que c'était des bons arguments? On verra par la suite. Je rappelle quand même quelques précédents, parce que j'ai un petit peu regardé ce qui s'était passé. On peut se rappeler de François Clerc, qui était pareil en fin de contrat avec l'Olympique Lyonnais, qui avait signé un pré-contrat avec l'OM, et qui finalement avait prolongé avec l'Olympique Lyonnais. Là, il n'y avait qu'une sanction financière pour le joueur. Il n'y avait pas eu de sanction pour Lyon. On se rappelle de Ribéry, qui était arrivé à l'OM au profit de Galatasaray, qui lui avait résilié son contrat à Galatasaray parce qu'il n'était pas payé. Là, donc, c'est logique. Là, pareil, il n'y avait pas eu de sanction. La FIFA avait été saisie, il n'y avait pas eu de sanction, c'était logique. Par contre, Bangoura, qui avait signé à Nantes, en fait, Nantes avait été sanctionné, pareil, un an sans recrutement, parce qu'il avait été prouvé que Nantes avait contacté le club d'Arabie Saoudite, je crois, au préalable, et que finalement, vu qu'ils ne se mettaient pas d'accord, Bangoura, sûrement conseillé par Nantes, avait résilié son contrat pour signer à Nantes. Donc ça, ça peut être un précédent inquiétant. Et enfin, j'ai Bayalsal, qui avait signé avec deux clubs, dont Saint-Etienne. Et il avait été suspendu 4 mois pour avoir fait ça. Mais finalement, Saint-Etienne n'avait pas été condamné parce que Saint-Etienne, a priori, n'était pas au courant qu'il avait déjà signé un autre contrat. Donc ça laisse la porte ouverte à plein de possibilités. C'est pour ça, on en parlait un petit peu au Titi avant. En fait, on ne sait pas comment ça va finir cette histoire. Si la FIFA a pris cette décision-là, c'est qu'ils ont quelques billes pour sanctionner l'OM, mais peut-être qu'ils n'ont pas toutes les billes, parce que l'OM ne s'est pas défendu, c'est Watford qui a saisi. Donc maintenant, là, ça va rééquilibrer. Peut-être que l'OM aussi a des billes à faire valoir par rapport à ce fameux contrat qu'a signé Pape Gay à Watford. Si Pape Gay, il arrive à prouver ce contrat et il n'était pas valable, ça peut relancer un peu tout ça. Enfin, on espère, en tout cas. Ben, je sais pas, c'est compliqué à savoir de toute manière là. La réalité, puisqu'on ne connaît pas les tenants, les aboutissants de cette histoire. La seule chose qui est réelle, c'est que Pape Gay, il avait signé un contrat avec Watford. Ça, il l'avait signé. Donc maintenant, comment ils vont juger l'histoire, qui est responsable, pas responsable, on va voir. Maintenant, il faut espérer que... il y a déjà une première réponse favorable avec la levée de la suspension de Pape Gay par le TAS. Oui, c'est vrai. Maintenant, il faut espérer que le TAS lève les sanctions aussi, que l'appel soit suspensif et qu'il soit recevable par le TAS pour les suspensions de mercato de l'OM, quoi, parce que sinon, ça met le club dans une difficulté importante. Quoi. Et du coup, est-ce que, vu que la suspension de Pape Gay a été levée, est-ce que ça veut dire du coup que, on va dire entre guillemets, la culpabilité, elle est plus sur le joueur et elle est... C'est juste parce que comme il y a eu l'appel du TAS, ils ont accepté de... D'être le joueur clément. C'est ça. Ils suspendent la décision en attendant d'étudier le dossier. Je pense qu'il ne va pas y couper la suspension. D'accord. Sauf si vraiment il y a un vice hallucinant dans le contrat qu'il avait signé avec Watford. Sinon, lui, il va prendre 4 mois. C'est obligé. Ouais, c'est juste que ça va reporter cette décision et qu'il va pouvoir jouer la CAN avec le Sénégal. Mais voilà, et rejouer avec l'OM en attendant que la décision soit prise. Par contre, on ne sait pas encore, comme tu disais, si la sanction pour l'OM va être aussi suspendue, parce qu'elle peut ne pas l'être. C'est une possibilité, ce n'est pas automatique. Et si elle est suspendue, elle peut être aussi confirmée dans quelques mois. Donc là, ça peut être aussi avant le mercato d'été. Donc ça veut dire que l'OM peut... théoriquement, enfin en tout cas pour l'instant l'est d'ailleurs, pas de mercato cet été, pas de mercato l'hiver 2023. Ouais, c'est... Donc ça c'est quand même sacrément dur. Si tu te qualifies pour la Ligue des Champions, si tu peux pas recruter, c'est compliqué. Bah, remarque, tu me diras, l'année où tu as été qualifié pour la Ligue des Champions, oui, très longtemps, tu n'avais quasiment pas recruté. Bon, ça c'est juste une blague, hein, parce qu'on avait pris... finalement, t'as pas pris grand monde, t'avais pris Luis Enrique, c'est le seul transfert payant. C'est quand même... une sacrée sanction, parce que si tu te retrouves avec deux mercatos c'est long. C'est une sacrée sanction pour le club. Surtout pour l'OM, quoi. Qui est déjà en difficulté financière. On a une épée de Damoclès au-dessus de la tête avec l'encadrement de la masse salariale et des transferts par la DNCG. Si en plus tu es interdit de recruter, ça va être chaud, quoi. Et tu peux vendre Tu peux vendre, mais tu t'as fait quoi. Trop d'intérêt. Ouais, tu ne vends pas, puisque tu peux pas remplacer. C'est ça qui est chaud. Donc, parce que même que ce soit des joueurs libres en prêt, tout ça, tu peux même pas. Tu peux même pas rajouter un joueur. Non.
Je crois qu'il faut rajouter que des joueurs de moins de 16 ans ou un truc comme ça. Quoi. Ça serait très compliqué, ouais, c'est vrai. Non, mais ça, c'est quand même assez incroyable. Quoi. Je vais revenir un petit peu sur cette décision parce qu'on en parlait. Je veux dire, tout le monde savait qu'il avait signé un pré-contrat. Lui, il l'a dénoncé. On verra si la FIFA ou le TAS prouvent que l'OM a incité ou pas à casser ce contrat. Mais quoi qu'il en soit, quel risque pris, quoi. Même si c'était. C'est ça que je trouve hallucinant. Comment un club comme l'Olympique de Marseille ne peut pas dire halte, c'est trop compliqué, on n'y va pas. Pourquoi les clubs comme Angers, Rennes ou Strasbourg, eux, ils s'arrêtent, ils n'y vont pas, et nous, on fonce, tout ça parce qu'il est gratuit. Mais non, c'est pas ça. Ah, c'est vrai que ça paraît gros quand même. T'as connu ça, toi, des joueurs qui avaient signé deux contrats, toi ou... Non, franchement, c'est rare quand même. Ouais. C'est deux comptes, enfin déjà. Mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais. Non, mais après, lui, il estime qu'il avait résilié, quoi, quelque part. Mais ouais, comment mais après, tu fais pour résilier? Comment tu fais pour résilier? Puis c'est un pré-contrat, ça veut dire que tu n'es même pas encore arrivé au club. Et... Ouais. C'est gros, quoi. Hein, parce qu'en plus, Watford, ils officialisent au mois d'avril, ou je sais plus. C'est ça, en avril. Le contrat de 5 ans, le mec, il sait qu'il a signé un contrat quand même. Quoi. Ouais, il est là. Ouais, pour, c'est lui qui a signé le contrat, il n'y a pas mis un couteau sous la gorge pour dire « signe là hein. ». Je sais pas, c'est… Ouais, lui, il estime qu'il avait été floué, que c'était pas ce qu'on lui avait promis oralement. Mais lui, il a été léger sur le coup. C'est-à-dire qu'il a signé un contrat, a priori, en anglais. Il comprenait pas tous les détails. Enfin, c'est pas sérieux. D'où l'importance d'être bien conseillé. Et c'est ça. Ça, c'est un bon… De faire attention de ne pas signer n'importe quoi. Parce que c'est pas le premier joueur à avoir des problèmes avec son agent ou avec ses conseillers. Hein. Ça, t'as dû en connaître. Dans tous les domaines, il y a plein de gens qui signent des contrats sans les regarder. Hein. Ça, j'en ai connu. Ils ne savaient même pas combien ils gagnaient. C'est fou. Hein. L'argent qui partait. Pour ça, ça paraît gros quand même. Ouais. Mais bon, après, quand on voit la première sanction de la FIFA, comme tu as dit, s'ils sont avancés... C'est que Watford avait quand même des éléments. Ouais, voilà. Mais je ne suis pas sûr qu'il y avait tous les éléments de l'autre côté. Vu qu'il y a eu une conciliation de demander par Watford, enfin la FIFA a imposé une conciliation entre les deux clubs, pourquoi ne pas payer, ouais, voilà, trouver un terrain d'entente à l'amiable entre les deux clubs, bien sûr, et ne pas aller à la sanction, quoi. Ouais. Oui, bien sûr. Mais Watford demande 10 millions d'euros quand même. Oui, mais après, je sais pas, si même 10 millions d'euros, tu arrives à trouver un arrangement peut-être à 6, à 7, ouais, à 8, ouais. Je sais pas, tu trouves un arrangement, mais tu ne vas pas jusqu'à la sanction. Ouais, voilà, le calcul entre deux mercato et 5 millions d'euros, sachant que tu vas quand même devoir payer quoi qu'il arrive des choses, parce que l'amende de 2,5 millions d'euros, c'est l'OM qui va le payer pour le joueur, hein, parce qu'ils ont signé un contrat aussi par rapport à ça. Donc l'un dans l'autre, ça se calcule. Il faut absolument éviter l'interdiction de recrutement, surtout sur le mercato. C'est catastrophique pour ne pas faire ça. Oui. Déjà, vu le projet qu'il a, on a du mal à avoir une équipe compétitive pour rivaliser, finir sur le podium. C'est hyper compliqué maintenant. Si en plus tu te sabordes toi-même, c'est. Ouais, c'est compliqué. Il y a des joueurs qui arrivent en fin de contrat. Oui, il y a forcément des joueurs qui ont une valeur marchande. Donc des joueurs qu'il ne va pas pouvoir garder. Saliba, il n'a pas d'option d'achat. Camara, on est en train de. Camara, on sait pas trop. Tu en avais parlé, tu le disais, on en reparlera après. Mais... C'est des joueurs qu'il faut remplacer, quoi. Ouais. Oui, comment on fait? Ah oui, non, c'est vital. Non, franchement, ça, c'est. Mais j'espère que maintenant le top va entendre l'appel de l'OM, que l'appel va être suspensif et que... Déjà, suspend dans un premier temps, et après étudier le truc, et que finalement l'OM ne sortira pas trop mal. On espère tout ça, hein, parce que ça va... sinon c'est une catastrophe si l'OM prend cette sanction. Tu me disais, on en parlait, Longoria a affiché sa confiance. Le visage... Mais toi, tu étais sur place, parce que City est souvent devant le centre d'entraînement. Toi, tu l'as vu le matin. Arrivé, il était... joueur normal, Guiret, mais sorti à midi de la commanderie, le visage... Mais sans savoir ce que c'était, on l'a su que ce week-end, quand Pape Gueye a été suspendu, quoi, que c'est arrivé en milieu de semaine. Mais c'est comment? Moi, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse faire des choses comme ça. Quoi. Mmh. Oh, je rappelle que lui, il n'est pas responsable. Non, je ne t'arrive pas. Je vais le préciser parce qu'il a fait la photo avec Pape Gueye lors de la présentation. Mais vu que les joueurs avaient été en stage au Portugal. Ils ont fait les présentations en août, et lui, il est arrivé le 26 juillet. Mais Pape Gueye, il a signé le 1er juillet. Il n'était pas là. Il n'y avait pas de directeur sportif. C'est Héro qui pilotait tout avec Villas-Boas. Donc voilà, les choses, elles sont claires. Quoi. Non, c'est dommage de faire des choses comme ça pour. Voilà, c'est donner le bâton. Là. C'est beaucoup de risques pour pas. C'est un bon joueur. On le sait que de toute manière, en plus, que ce soit l'UEFA ou la FIFA, quand il y a des choses comme ça, ils rigolent pas. Quoi. Il vaut mieux même. Sinon, c'est la porte ouverte. Mais non, tu fais n'importe quoi. Si un joueur décide du jour au lendemain de résilier comme ça, c'est trop facile après.
Après, si t'es responsable quand tu signes un contrat, sinon, je te dis, hein, tu signes là, tu signes là-bas. Ah oui, ça... Déjà que les joueurs, maintenant, ils ont beaucoup de force, il y en a beaucoup qui attendent les fins de contrat pour avoir des primes à la signature, etc. Si en plus, ils peuvent résilier quand ils veulent, ça devient compliqué. Quoi. Bon, on espère que ça va bien se terminer pour l'OM, mais si ça se termine pas bien, ce serait une sacrée catastrophe. On va parler un petit peu de mercato avant de faire la fac. C'est le petit débat. Allez. Oui, parce que si l'OM ne peut pas faire de mercato, il faut peut-être en faire maintenant. Eh oui, avant l'interdiction. Eh oui, je parlais de Saliba qui est prêté sur option d'achat. Du coup, si tu ne peux pas recruter, ben, ça c'est sûr que tu ne pourras pas le recruter. Déjà que financièrement, ça paraît impossible. T'en avais parlé, je crois, je ne sais pas si c'était la dernière fois que tu es venu ou une fois d'avant, sur Camara, qui arrive un petit peu... plus le temps passe, plus on sent qu'il va partir libre en fin de saison. Toi, tu comprenais ce potentiel choix? Il nous l'avait dit la dernière fois, sportivement, il aura plus de choix en étant libre qu'en étant sous contrat. Ça, c'est... Il en a un petit peu parlé en zone mixte après le match hier soir. Je crois qu'on en a déclaré, Ryan. Oui, il dit on m'envoie un peu partout en ce moment, mais je suis bien entouré, je reste concentré sur le terrain. Et en dehors du terrain, bah, je vais d'abord mon deuxième enfant et je me concentre sur ma vie, ma famille, mes collègues. Pour l'interrogation, bah, on ne parle pas de ça. Ah. On ne parle pas de mon avenir avec mes proches. Clairement, il botte en touche. Mais c'est une situation compliquée. Ouais, il ne peut rien dire de toute façon. Puis de toute manière, on le voit sur ses performances. Inconsciemment, ça le travaille. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a deux matchs, je l'ai trouvé super fort. Je ne sais plus quel match. Là. Il y a deux matchs, il avait tout compensé en placement, etc. Le match à Bordeaux, non? Je ne sais pas si le match à Bordeaux. Match à Bordeaux. À Bordeaux, il a été bon. Je l'ai trouvé vraiment très bon parce que dans les compensations, il était... Même inconsciemment, ça travaille de toute manière. Non, mais c'est sûr. À un moment donné, ça va jouer. C'est un minot du club, donc c'est sûr que ça doit le travailler, hein, la situation comme ça. Hein. Mais moi, j'ai un exemple qui va dans ce sens-là. Je peux te souvenir, André Ayou, pareil, lui, il est parti en fin de contrat, formé au club. Son père, c'était quand même une idole aussi ici. Et je me souviens que les zones mixtes, il est fuyé comme la peste. Parce que c'est hyper compliqué. Il ne peut pas dire maintenant, je m'en vais à la fin de la saison. C'est terrible. Mais est-ce que finalement, ça ne serait pas plus clair et ça détendrait tout le monde? Si, Non, mais est-ce que lui a pris sa décision? C'est ça. Ben, j'ai l'impression que le club fait le forcing pour le convaincre, mais qu'il ne répond pas. Quoi. Ben, ce qui est sûr, c'est que le club il va lui proposer un nouveau contrat. Je pense qu'il sera intéressant. Après, quand je dis est-ce qu'il a pris sa décision, alors c'est au-delà qu'il attend de partir ou rester. Ce qu'on lui propose aussi. Voilà, c'est au-delà de partir ou rester. C'est peut-être qu'il sait qu'il va partir, mais où? Oui, il ne sait pas. Et voilà, oui, donc tu aujourd'hui... peux pas te positionner en disant. Non, moi c'est sûr, je ne resterai pas à l'OM. Et en fait, il faut qu'il n'y a pas de concret. Voilà, c'est terrible. Et voilà. Et puis, peut-être qu'une réponse va amener une autre question. C'est-à-dire que si maintenant il dit c'est bon, je pars, peut-être que pendant 6 mois, on va lui dire mais tu vas où? Et ça peut devenir une autre. Donc non, je ne peux pas mettre le doigt dans l'engrenage. Non, moi je ne suis pas fan du politiquement correct, honnêtement. Les réponses bateau et tout, c'est gonflant. Mais là, c'est trop compliqué. Sur un cas comme ça, il faut jusqu'à la fin, il faut qu'ils disent je sais pas, ou voilà, qu'ils boitent en touche, etc. Sur ça, c'est intelligent. Oui, j'ai raison de faire ça. Toi, Thierry, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je fais pareil. Après, sauf si il y a la signature dans son nouveau club là, pendant le mercato hivernal, là, au mois de janvier, qu'il peut signer libre dans son nouveau club, et que le nouveau club annonce la signature de Camara. Sinon, oui, après, là, c'est fini. Ouais. Après, c'est fini, hein, s'il n'y a que ça. Hein. Sinon, je pense qu'on le saura qu'au mois de juin. Hein. Parce que là, les rumeurs, en fait, c'est qu'il y avait un intérêt de la Roma et de Manchester United pour essayer de le faire venir tout de suite. Mais moi, j'ai l'impression que lui, il ne veut pas entendre parler d'un départ cet hiver, quoi qu'il arrive. Non, parce que je pense qu'il veut partir libre. Il veut partir libre. Tu as une meilleure première signature, et a priori, tu as aussi... un panel de choix plus important. Il est jeune, Camara, il a une super expérience déjà à son jeune âge. Par exemple à Gaël quand il était encore dans l'effectif pro, en 2015, il y a 6 ans en arrière. Maintenant, la mentalité, c'est beaucoup de joueurs maintenant arrivent en fin de contrat et c'est eux qui décident de leur avenir eux-mêmes. Ça date pas d'hier. Hein. Je crois que c'est Mathieu Flamini qui était parti. Lui, il avait même pas signé. C'était un des premiers. Il y en avait moins. Mais ça généralise. Il y avait moins de jeunes aussi. La liste des joueurs qui sont en fin de contrat là, au mois de juin. Ah oui, non, c'est incroyable. Mais puis que des gros joueurs. Quoi. Du Mbappé. En 2015, tu as parlé d'André Ayou. Il y avait des Gignac aussi qui étaient partis. Il y a Nkoulou aussi qui est parti. Voilà, c'était des joueurs qui avaient une vraie valeur. Donc après, il faut dire qu'à l'OM, on n'a jamais été très bon aussi pour gérer ces genres de cas. Voilà. Après, si on se met à la place du joueur, les enjeux ils sont très, très importants. Ça va être un gros contrat. Là.
je pense que... Puis on parle de gros clubs comme le Bayern, etc. Avec donc une prime à la signature, je pense que tu peux vivre quelques années. Donc, ouais, bon, quelques générations. Quelques générations, ouais, voilà. Donc, voilà. Après, je sais aussi qu'il est très attaché au club. Donc oui, oui. Bah, peut-être aussi hein. Dans le fait de vouloir rester jusqu'à la fin de la saison et dans le fait qu'il ne partira pas aussi à la trêve. C'est parce que voilà, c'est un minot du club et moi, le peu que je l'ai connu, j'ai toujours senti quelqu'un qui voulait rester et faire ce qu'il fait en ce moment. Mmh. Et voilà, donc partir en quelque sorte la tête haute. Quoi. Après, j'ai un autre exemple d'un minot du club, c'est Nasri, qui était lui aussi en fin de contrat. Mmh. Et il était en discussion avancée avec Arsenal et finalement, il avait accepté de prolonger parce que Pape Diouf avait trouvé un deal, c'est qu'ils ont partagé le montant du transfert. Quelque avec Jean-Pierre. Pardon ? Il était conseillé par Jean-Pierre. Ouais, il était conseillé par Jean-Pierre. Mais quelque part, ça permettait de trouver un juste équilibre. Moi, c'est intéressant. Parce que Samir Nasri, il prenait comme une grosse prime à la signature qu'il attendait. Et le club n'était pas lésé. Même s'il ne prenait pas le transfert en intégralité, il touchait quand même de l'argent d'un joueur que tu as formé. Et ça moi, tout le monde en sort grandi, en fait, de faire ça. Et d'ailleurs, Nasri était venu sur ce plateau. Et il avait dit, il conseillait de faire ça. Il en avait parlé. Ouais, c'est vrai que c'est intelligent. Ça, c'est intelligent parce qu'il sortait par la grande porte. Disant, OK, je suis en fin de contrat, je fais une prolongation d'un an. On partage, on trouve un arrangement financier, comme ça j'ai quand même une belle prime à la signature, et je laisse pas mon club formateur. Alors que là, je pense qu'en partant libre en fin de saison, il y a des supporters qui vont pas aimer ça. Flamini, il a toujours eu une image chez certains supporters un peu négative à cause de ça. Il a fait partout. Il a fait Arsenal, il l'a fait à Milan. Mais c'est vrai que tu fais bien de le dire, parce que même moi, j'étais pas au courant de cette anecdote de Samir Nasri. Donc ouais, c'est vrai que c'est intelligent. Après, est-ce que tous les joueurs ont le... Oui, c'est ça. C'est un autre... Faut avoir de bons rapports avec ta direction, a priori. Oui, Longoria, il fait le forcing pour le faire prolonger depuis plusieurs mois. Et les relations sont pas non plus au beau fixe. Donc il y a des tensions, on l'a vu avec cette histoire de conférence de presse à laquelle il devait aller. Il a pas voulu y aller. Ouais. Il y aller plus tard. On sent qu'il y a des petites tensions entre le club et lui. Ouais, certainement. Bon, c'est compliqué. C'est de la symbolique aussi. Il y a un côté politique de gestion de club aussi là-dedans. Le club veut pas... Veut montrer sa force, le joueur veut pas se laisser dicter le truc. C'est ça aussi qui... Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, on verra comment ça se termine, même si, bon, pour moi, il partira gratuit en fin de saison. Ouais. Deux autres petits dossiers avant de passer à la fac. Vous savez, Jordan Amavi a été prêté à Nice, même si l'OM paye encore une bonne partie du salaire. Donc l'OM chercherait un latéral gauche capable de jouer dans l'axe. Et là, il y a deux noms qui reviennent avec insistance. C'est l'Argentin Tagliafico de l'Ajax, donc ça c'est la priorité de Jorge Sampaoli, a priori, qui le connaît bien, je crois qu'il avait coaché en sélection. Pardon, on respire mal, avec ses masques. Et Kolasinac, donc le latéral bosnien d'Arsenal. D'Arsenal, ouais. Alors, c'est difficile de se faire une idée, parce que d'un côté, on entend en Angleterre que Kolasinac, c'est tout proche d'être fait, il pourrait résilier son contrat avec Arsenal. Bon, j'espère que ça sera bien fait, hein, si c'est le cas, et s'engager libre avec l'OM. Et a priori, Tagliafico, l'Ajax qui ne voulait pas entendre parler d'un prêt, finalement serait ouvert, selon Foot Mercato, à négocier un prêt, puisque le joueur a ce contrat jusqu'en 2023 et il aurait refusé de prolonger. Donc là, un prêt avec option d'achat obligatoire pourrait être accepté. Il y a d'autres clubs sur le coup, on parle du Barça, on parle de Naples. Est-ce que vous connaissez déjà ces deux joueurs? Et si oui, est-ce que vous avez une préférence, Titi? Ah, je connais les deux, oui, mais j'ai une grosse préférence pour je sais. Pour Tagliafico, hein, puisque je l'ai déjà vu jouer avec l'Ajax quand ils ont été en demi, hein, ouais. La Ligue des Champions. Il jouait vraiment latéral gauche à ce moment-là. Ouais, il était là, même avec la sélection argentine, c'est un bon joueur. Hein. Ouais. Après, l'autre, le bosnien d'Arsenal, c'est un peu plus light, quoi. C'est moins technique déjà. Moins technique, un peu bon, une grinta un peu comme Alvaro, quoi. Tu veux dire pour le carjacking, il est fort. Ouais, c'est une image là ou pas? Non. Parce qu'en fait, je sais plus à quel autre jour, c'était Ozil, je crois, à l'époque. Avec Ozil et sa femme, là, il y a deux mecs en scooter qui sont arrivés et il s'est battu avec eux. Manu les a fait fuir. Ah, d'accord. Il voulait lui prendre la voiture, bon, il est sorti de la voiture, il les a castagnés. Au niveau sécurité pour les maisons. Peut venir à Marseille, c'est bon alors. Ça peut être pas mal. Après, sportivement, je préfère l'Argentin maintenant. Et ça serait numéro 1? Moi, je ne les connais pas assez, honnêtement. Mais ça serait numéro 1, Tagliafico? Parce que là, c'est Luan Pérez aujourd'hui qui joue. Oui, c'est Luan Pérez. Mais après, à écouter Sampaoli, il veut une doublure à Luan Pérez. Mais moi, je me dis que quand j'ai vu jouer le Tagliafico, c'est possible que Tagliafico prenne la place à Luan Pérez. C'est plus qu'une doublure. Hein.
Et après, ce qu'il expliquait, Sampaoli, c'est que dans l'absolu, même si c'est que l'OM n'a pas trop de moyens, il bon, y a cette affaire là qui arrive, mais lui, il voulait donc une doublure ou un concurrent, en tout cas, à Luan Pérez, donc ce poste un peu hybride de latéral central, tu peux bien imaginer, je pense. Ouais. Et il voulait aussi un latéral offensif. C'est-à-dire que le profil Lirola, ouais, Lirola à gauche, côté quoi, gauche en fait, quoi. Concrètement. Bon, ce qui est étonnant parce qu'il ne joue pas vraiment avec ces joueurs-là. Et comme, il avait un Mavi, hein, mais il pour faire référence à JHE, Tagliafico remplit toutes les cases de Sampaoli. Hein. Ouais. C'est... Bah oui, ça, c'est pour ça que c'est sa priorité. Mais voilà, donc du coup, peut-être qu'il peut faire deux en un avec Tagliafico, qui peut jouer un peu dans ce rôle hybride. Après, il faut voir le montant de enfin, oui, je ne suis pas sûr qu'il vienne. Hein, parce que c'est ça, c'est un joueur qui est coté. Il y a Barcelone et Naples dessus ? Barcelone, Naples, des clubs anglais aussi. Plus Naples qui est dessus. Ouais, là, il est, a priori, selon un journaliste bien informé qui suit le Barça, il serait dans la shortlist du Barça aussi. Mais bon, le Barça non plus, il n'a pas l'argent. C'est pareil, eux, ils font des prêts. Donc, tous les clubs sont un petit peu exsangues financièrement. Donc, c'est intéressant. C'est des profils. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est ce que je te disais, même s'il ne lui restera plus qu'un an de contrat en juin, c'est l'option d'achat parce que c'est un joueur qui a une belle cote sur le marché. Est-ce que l'OM après, il a quand même, il va avoir 30 ans. Oui, oui, bien sûr. Il c'est, aura plus qu'un an de contrat. C'est un joueur d'expérience. C'est un joueur aussi qui n'a plus beaucoup de temps de jeu à l'Ajax. Et il a perdu sa place. Voilà. Il a perdu sa place parce que ben, l'Ajax est beaucoup axé sur les jeunes. Hein. C'est toujours un 11 toujours très jeune, hein, l'Ajax. Hein. Et maintenant, 29 ans, il a beaucoup de moins de temps de jeu et il veut retrouver du temps de jeu pour pouvoir jouer la Coupe du Monde avec la sélection argentine. Donc ça serait une possibilité, si l'OM arrive à le faire hein, en prêt avec option d'achat, ça serait un bon coup. Effectivement. Et puis, on rappelle que Kolasinac, ça peut être, entre guillemets, gratuit, enfin, sans frais de transfert, mais qu'en termes de salaire, même s'il veut forcément baisser son salaire anglais, on connaît les salaires anglais. Donc ça aussi, c'est une autre question. On connaît les difficultés avec le salarial. Déjà avec la DNCG pour valider les contrats. Est-ce qu'il va faire... on lisait que Pablo Longoria pourrait tenter de faire des contrats minimum jusqu'à la fin de la saison et qu'attendre le 1er juillet pour que les contrats augmentent, pour que ça rentre dans les cases. Voilà, c'est vraiment tu es obligé de bricoler. Quoi, Du bricolage. C'est du bricolage. On est sur un mode bricolage. Dites-nous dans les chats, Kolasinac versus Tagliafico, qui vous préférez. Je pense que ça va être vite plié, cette histoire. Même si moi, j'ai plus vu jouer Tagliafico, mais le peu que j'ai vu jouer Kolasinac, c'est un combattant, mais techniquement, c'est pas génial, on va dire. C'est un peu plus brut. On va dire, comme joueur. Après, tu peux aimer ce genre de joueur. Hein. Il va mettre de l'impact, par contre. Hein. Oui, de l'impact, mais après, dans le système de jeu de Sampaoli, il aime bien les joueurs techniques. Quoi. En plus, ce ressorti de balle de derrière, avec la prise de risque que les défenseurs prennent sur les pressings hauts des adversaires, il faut quand même être technique pour ressortir le ballon. S'il n'est pas technique, il perd les ballons. Non, dans un système comme ça, les pistons, il faut qu'ils soient complets. Mais surtout tu vois, en plus, il joue. C'est bizarre son système de jeu parce qu'autant en fin de saison, il jouait vraiment avec deux pistons. Donc on avait Lirola et c'est Nagatomo qui jouait. Nagatomo, oui. Et là, il ne joue plus avec vraiment des pistons. Parce que Lirola, l'année dernière, il ne jouait pas à 3 derrière. Si, il jouait à 3 derrière. C'est vrai que c'est hybride. Et la saison dernière, on jouait à 4. Il jouait à 4 Non. Oui, on jouait à 4 derrière. Si, on jouait à 4. Même avec Sampaoli. Oui. Ah ouais. Il a pas du tout modifié le schéma tactique de l'équipe suite au limogeage de Villas-Boas. On est resté à 4 derrière. Ouais. Il y avait Lirola à droite et Nagatomo à gauche. Et en défense centrale, il y avait Alvaro avec Caleta-Ca. J'ai eu l'impression quand même qu'il avait vraiment modifié que Thauvin jouait au milieu en faux. Oui, mais ça, oui, après. Après, il avait fait un micmac. Hein. Il y a un moment donné, ça jouait à 3. Oui, à un moment, oui. Mais... Ah, oui, à la fin, ça jouait à 3. Souvent, on jouait peut-être à 4. Peut-être pas tout de suite. Souvent. Largué, ça jouait à 4. Peut-être au début, sans Pauli, mais je crois qu'à la fin, ça jouait déjà à 3. Enfin, le fait est qu'aujourd'hui, même Lirola, quand il joue pas vraiment comme un piston ou comme à la fin de la saison dernière. Ça, donc c'est je comprends pas parce que il fait pas jouer de mec à gauche. À ma vie, il a jamais joué avec lui, presque. Donc même Luan Pérez, hein, il est pas très haut sur le terrain au final. Non. C'est pas vraiment. Des fois il monte, mais. Moi je trouve qu'il décale en fait. Ouais, il décale. Le ballon, je trouve que Lirola monte un cran plus haut. Alors là, il a moins fait sur ce match-là peut-être, mais sur d'autres matchs où il fait ses appels un peu en diagonale comme ça, où il est vraiment piston.
et l'arrière-gauche, les deux centraux, ils décalent, et ils se retrouvent à 3. Ouais. Et des fois, c'est un milieu qui vient et qui remonte. Mais alors peut-être que du coup, Sampaoli veut un joueur style Tagliafico pour pouvoir être plus offensif. Voilà, pour avoir les deux versants à droite et à gauche. Là, c'est un peu stéréotypé. On sait que c'est Lirola qui est au plus offensif et Luan Perez qui est plus il défensif. Il peut un peu monter, mais il fait rarement. Quoi. Ouais, Luan Perez, voilà, on sent que c'est moins son tempérament. Il est un peu plus défensif que. C'est vrai. Et puis il a un gabarit plus de défenseur central. Oui, voilà, on sent qu'il peut jouer les deux. Lirola, on sent que c'est vraiment un joueur de côté et offensif. Quoi. On verra, messieurs, en tout cas, a priori, ça va recruter à ce poste-là. Avec quel argent pour payer les salaires, on verra. Benedetto, a priori, ça va signer à Boca, c'est toujours pas officiel. Alvaro partira pas. Il y a cette épée de Damoclès avec les sanctions de la FIFA. Beaucoup d'incertitudes, ça c'est clair. Allez, on va passer à la fac, on va vous donner la parole. C'est la fac. Allez Ryan, alors comment ça se passe dans le chat? Alors avant de passer aux questions de tout le monde, je voudrais vous annoncer quelque chose. C'est Mario Lemina. Donc, qui a quitté la section du... par le Gabon, c'est ça? Bah, qui était, oui. Non, alors il est. On va remettre tout dans son contexte. Il a été un peu dégagé parce qu'il avait le Covid. C'était des raisons médicales au début. Ouais. Et ensuite, voilà, il s'est passé quelques petites choses. Et là, Mario Lemina vient de mettre sur son compte Instagram, en story. Voilà, je ne vais même pas alimenter les mensonges qui cherchent à me nuire en voulant trop régler les problèmes autour de cette sélection. C'est toi qui t'exposes. Il n'y a plus rien à faire. Je mets un point final à tout ça. Donc, en fait. Basta. Il arrête la sélection gabonaise. Il refuse maintenant de jouer pour la sélection gabonaise. Donc ouais, c'est un peu du n'importe quoi en ce moment avec. Parti en sucette. Hein. Oui. Parce qu'Aubameyang aussi a été exclu. C'est ça. C'est suite au. Apparemment, il y aurait une soirée. Oui, c'est ça. Bon, il y a eu une soirée. Ça a oui. été filmé. Ça a été avéré. A priori, c'est là où ils ont chopé le Covid. C'était au début de la CAN. Donc je crois qu'il n'y avait même pas le premier match qui avait été joué. Donc ça, oui, ça a bien eu lieu. Et là, ensuite. Par rapport au fait qu'ils aient été rendus entre guillemets à leur club, c'était par rapport au Covid, mais il y a des journalistes qui ont annoncé que c'était plutôt un peu la même chose, quoi. Ils étaient rentrés très tard à l'hôtel avec des filles, ils étaient ivres, etc. Ouais, il y a dû avoir plus que... Voilà, donc c'est pas confirmé, c'est ça. Non, ce sont des informations, rumeurs, voilà, des rumeurs, c'est pour ça qu'il dit, voilà, je vais même pas alimenter tout ça, mais juste, je voulais vous faire réagir par rapport à ça, parce que c'est quand même un gros truc par rapport à la sélection gabonaise et à Mario Lemina, qui est un ancien Marseillais. Mais aussi, hop, cette petite déclaration de Romain Molina. Toujours le petit pic. Voilà. Le petit pic venir. Il dit « Rends l'argent et la voiture obtenue en échange pour venir à l'époque, alors. » Ah oui. Donc, bon, c'est un peu... ça, c'est... Il n'en rate pas une, voilà. Romain Molina, quand même. Hein. C'est souvent croustillant, ce qu'il dit. Ah oui, lui, c'est toujours très, très... Beaucoup d'informations, après, il y a boire à manger, donc il faut trier, c'est pas évident, Parce qu'il faut connaître tout ce qu'il sait, c'est... Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, moi, c'est l'époque où j'étais un peu avec l'équipe, ouais, il y avait eu une histoire de voiture, d'argent et tout, je vois ce qu'il veut dire. Ah ouais, tu vois enfin, après, toujours pareil, on ne sait pas si c'est vrai pas vrai, parce que bon, Lemina, je pense qu'il n'a pas attendu le Gabon pour avoir de l'argent et s'acheter des voitures. Il y allait un peu tard à jouer avec le Gabon. Ouais, il voilà. Tout de suite, donc, il a déjà commencé à avoir une Il n'est pas allé à 16 ans, quoi, donc c'est bon. Ouais, ça alimente un peu tout ça, du coup, c'est pas facile pour Mario Lemina, pardon. C'est un peu Romain Molina, Mario Lemina, ça fait un peu... Il y a beaucoup d'embrouilles dans cette CAN. Ah oui, là, en ce moment, là, c'est pas... Et Aubameyang, du coup, il est... Il est retourné, suite à cette rendu histoire. À son club, et on parle d'un départ d'Arsenal en termes de mercato. Ok. Alors, sinon, par la Newcastle. Par rapport au vote, parce que tu t'as demandé à qui préfère... Tagliafico ou Kolasinac. Alors, j'ai fait les sondages sur les deux plateformes. Il y a 88% de personnes qui votent pour Tagliafico sur YouTube. Quelle surprise. Et sur Twitch, 100% qui votent pour Tagliafico. Voilà. Donc voilà. On n'est pas surpris. Kolasinac. Après, c'est normal. Il faut prendre un joueur qui va t'apporter quelque chose. Le Bosniaque, je ne suis pas certain qu'il t'apporte quelque chose. Mais en plus, si tu prends un joueur. Il a quel âge? Il a 28 ans, Kolasinac, je crois. Ouais, c'est ça. Il est un peu plus jeune du coup que Tagliafico. C'est pareil, c'est la trentaine, tu vois, donc c'est à peu près les mêmes profils. Tu peux comparer quand même. Ouais, c'est ça, 28 ans. Il aura 29 en juin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a pas mal de petites questions et on peut rester un peu sur du mercato. Il y a Surfeur d'argent qui nous parle de toute cette histoire avec Pape Gay et il dit mais est-ce que du coup on peut le licencier pour faute grave? Est-ce que ça peut être une excuse pour le dégager complètement du club? Ça serait dur quand même, non? Si on se rend dur,
Non, pas Pagaille, héros. Ah. Ah oui, pardon, j'ai mal formulé. Ah ouais, je croyais que c'était Pagaille, est-ce qu'on peut le... Non, désolé. Bien, ils ont c'est signé vrai. Un arrangement. Ah, non, non, non. Est-ce que ça peut permettre au club, du coup, de dégager Jacques-Henri Hérault plus facilement, on va dire? Mais moi, j'aurais envie de dire pour l'ensemble de son œuvre. Oui. C'est un peu... Si, avec ça. Mais il a cramé 200 millions aussi avant. Non, mais malheureusement, je pense que Jacques-Henri Hérault, ça reste un interlocuteur, je vais y arriver, privilégié pour ma courte. Et que même si il œuvre toujours en coulisses, c'est une réalité. Attends qu'il y aura ma courte, je pense qu'il y aura Jacques-Henri Hérault, je pense que c'est un... Oui, de toute manière, c'est un duo. Hein. Le destin, ils sont liés ensemble jusqu'à la fin. Il n'y en a pas un qui va partir avant. Hein. C'est ça. Donc, malheureusement, non. Ok. Alors, il y a petite rectification. Apparemment, tu as bien raison. L'année dernière, ça jouait à 3 défenseurs. Et, mais c'est vrai. Mais je pense qu'au tout début, je crois que. Non, ils étaient restés à 4, moi. Ouais, je crois qu'ils étaient restés au début. Avec l'arbre. Ah, mais même quand Sampoli est arrivé. Peut-être, je sais même pas. Moi, je me souviens parce que c'était vraiment 3 et avec les 2 pistons. Et on se disait, ah, on va prendre. Avec Amavi qui va revenir, ça va être parfait. Les 2 pistons. C'est vrai, t'as très raison. Et finalement, non. Il n'a jamais joué. Après, c'est ça. Vrai que c'est particulier comme il jouait. Souvent, quand il y avait Valentin Rogier qui mettait à droite, on savait plus s'il était milieu, quand on n'avait pas le ballon, il revenait à droite. Mais il le fait encore. Hein. Franchement, dans ce 3-5-2, c'est 3-5-2 qui bouge énormément. Hein. Moi, j'ai une hypothèse par rapport à ça. Alors c'est que quand il a commencé la préparation estivale, Milik n'était pas là parce qu'il était blessé. Okay. Et Lirola, son transfert a énormément traîné. Mmh. Donc, du coup, il n'avait pas de latéral droit, il n'avait pas d'attaquant de pointe. Donc, il a bricolé un truc. Sans avoir ces postes-là. Ouais. Donc, du coup, il a joué sans latéral droit, il a créé ce poste d'hybride. C'était Camara au début qu'il faisait, puis Rongier, faux latéral, mais quand t'as le ballon, tu repasses au milieu. Et il jouait avec un faux neuf, en l'occurrence Payet. Et finalement, ça a quand même très très bien marché. Ah oui. Parce que c'était tellement illisible pour les adversaires, ça bougeait dans tous les sens, que ça marchait vachement bien. Et quelque part, depuis, il n'arrive pas à retrouver de la fluidité. C'est vrai il a gardé ce côté-là. Alors, il a rajouté Milik, parce que c'est quand même un joueur phare de ton effectif. Ouais, mais ce côté de latéral. Parce que même à ma vie, il n'a pas remis des vrais latéraux. Lirola, il a fait jouer à tous les postes sauf celui de latéral. Et finalement, tu restes dans cette espèce de rôle un peu hybride. C'était un peu plus fou. Ben, hier, moi, je l'ai vu à la télé. Et toi, Thierry, tu l'as vu en match, au stade. Et je crois qu'il y avait un commentateur qui disait ça manque de folie, ça manque de spontanéité. Ouais. C'est ça en fait. Ouais, d'initiative. C'est ça. Et puis, c'était. On avait le ballon devant. Il n'y a aucune prise de risque. Et on tournait. Quoi. On tourne. C'est ça. Tu peux jouer des heures comme ça. Ouais. Mais après, tu ne fais pas que ça parce que tu as quand même des occasions, ce que je dis moi. Parce que je comprends les critiques sur Sampoli, ça en ronde par moment. Mais tu arrives quand même à avoir des occasions, ce que je disais. Il n'y a pas eu d'occasion franche avec. Le gardien, il en sort quelques-unes. Hein. Ouais. Là, j'ai des images qui me reviennent en tête. Garbage, il en a sorti 2-3 aussi, bien comme il faut. Donc, ok, ça ronronne, mais tu as encore quand même des occasions. Il arrive à créer quelque chose en combinant. Les milieux, ils se projettent aussi. Guendouzi, Gerson, tu les vois tout le temps dans la surface. Bien sûr. Ouais. Ça reste intéressant. Parce que moi, j'entends, c'est chiant, Sampaoli, ça fait que faire tourner la balle, mais il y a des mecs qui disent je préférais Bob. Non. Revisionner les matchs avec Bob, non. Revisionner les matchs avec André Villas-Boas, je vous jure, ça n'a rien à voir. Tu vois, Thierry, t'as un petit masque. Ouais, moi aussi. J'aurais aimé voir, c'était peut-être Amin Harit un peu plus tôt. Ouais. Parce qu'il est rentré, je crois, dans les 10 dernières minutes, il me semble. Mmh. Mais il est un peu timide aussi, Harit, tu trouves pas ? Ouais, mais bah oui, c'est sûr que bon, après, en rentrant 10 minutes, c'est pas évident. Peut-être qu'il y a un problème de confiance, de rythme aussi, s'il joue pas. Il n'ose plus dribbler. Mais à la télé, moi, ce que je voyais, c'était que peut-être qu'on aurait eu besoin d'un joueur qui. Ouais, qui combine un peu. Même sans pas être combiné, mais qui aurait pu faire un exploit individuel. Ouais, c'est qu'il est très fort dans les 1 contre 1. Ouais. Ils étaient tous regroupés derrière. C'est vrai que sur un crochet, sur. Bon, après, voilà, on n'a pas la science infuse, mais, non, pour apporter justement, pour changer un peu ce... C'est vrai. Mais tu sais qu'il n'avait pas énormément de choix sur le banc. Il avait Harit et Luis Enrique. Et Luis Enrique, sans profondeur, c'était compliqué. Luis Enrique, et le reste, c'était que des jeunes. Hein. Ouais, bien sûr. Non, c'est pour ça. Mais peut-être Bonnard un peu pas plus là, tôt. Et Dieng est à la canne, donc il te manquait 2 joueurs offensifs. Alors, attends, avant de faire une première question, j'ai juste une question pour toi. Oui. Toi qui, qui joues défenseur, Doom, d'ailleurs, tu fais plaisir à jouer en Doom. Ce rôle-là, justement, de Luan Pérez, un peu ce rôle hybride, tu vois comment, toi, ce poste-là? Toi, tu vois, parce que ça va être compliqué, quand même. Parce qu'il est toujours le cul entre deux chaises, entre guillemets. Quoi. Ouais, déjà, un 3-5-2, quand t'es piston sur un côté, je pense que dans le foot, c'est un des postes les plus compliqués à jouer, parce qu'il faut être, comme je disais à Thierry, complet, que ce soit techniquement et même physiquement, surtout. Après, il y a plusieurs façons de le jouer. On peut le jouer
un poil défensif comme Luan Pérez le fait de par sa nature, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a dû souvent jouer au central. Des fois, il est plus dans le 3 que dans le 5. C'est ça. Et on peut la jouer façon Lirola, où de base, on est un peu plus offensif, on est un peu plus milieu, et l'entraîneur, il nous laisse la liberté d'y aller. Mais après, il faut avoir le coffre de revenir aussi. Il faut que ça coulisse pour compenser tout ça. C'est ça. Donc, c'est pour ça que des fois, les entraîneurs sud-américains qui pratiquent beaucoup le 3-5-2, quand ils arrivent ici, nous, joueurs européens, c'est plus compliqué parce que nous, on n'est pas habitués à ces défenses à 3 et surtout les pistons. C'est dur d'avoir des pistons complets. Je sais que Benjamin Mendy, à l'époque de Bielsa, c'était ça. Bon, Benjamin Mendy, bon, aujourd'hui, il n'est plus nulle part, mais... Il est en prison. Non, voilà, il est sorti, je crois. Voilà, mais c'était un joueur de classe mondiale, on peut le dire. Donc, voilà, mais des Benjamin Mendy... Il n'y en a pas tout le temps. Il n'y en a pas à chaque coin de rue. Il n'y en a pas à chaque coin de rue, voilà. Il y a un joueur en Ligue 1 qui pourrait jouer ce rôle de piston, c'est Jonathan Clauss, là, de Lens. Ouais. Tu vois, lui, il a vraiment ce profil là, piston qui mais va c'est très rare, vite, c'est très rare. Bon techniquement. C'est très rare, c'est très dur. C'est vrai que c'est compliqué parce que Luan Pérez, il n'est pas piston, non. Mais il n'est pas totalement défenseur central. Donc parce qu'offensivement, alors oui, il monte de temps en temps, mais c'est pas non plus... Non, c'est pas sa priorité. Voilà, il fait pas des allers-retours. Mais par contre, il va chercher assez haut, par contre. Oui. Mais avec le ballon, défensivement, il va chercher très haut parce que c'est un très bon défenseur. Après, offensivement, c'est pas un attaquant, quoi. Non. Donc, voilà, même si bon, c'est faire descendre, parce que la reprise de volée de Milik, là, c'est lui. Non, mais il a un très bon pied. Non, il a un très bon pied. Mais moi, je pense à Mirola. Il a une belle frappe, en plus, même. Ouais. Et je trouve qu'on ne l'utilise pas assez. Ouais, c'est vrai. Enfin, ou même d'autres joueurs. Hein. Frapper de l'extérieur de la surface, on ne le fait pas assez. Hein. Sur des blocs bas... Hier, ça aurait servi, ouais. C'est vrai. Je pense que des fois, ça mettrait en danger un peu le... Et ça obligerait à sortir un peu aussi. Mais toi, tu es un défenseur central. Mais c'est comme si toi, on te demandait de jouer un peu la latérale. Bon, c'est pas le même poste. C'est compliqué. On l'avait vu avec Camara qui avait débuté un peu latéral. C'est compliqué. Non, c'est pas du tout la même exigence. Quoi. Bah, plus de course, plus Ouais, non, c'est rien. C'est pas le même métier. Moi, j'ai souvent. De l'extérieur, souvent, en plus, quand on est gaucher, on a tendance à basculer les centraux. T'as déjà dépanné, toi, ce poste de latéral gauche ? Souvent. Ouais. Ça a été un peu. Mon problème, entre guillemets, c'est que moi, j'étais vraiment plus à l'aise dans l'axe. Bon, je parle de moi, mais je suis sûr qu'il y en a plein dans ce cas-là. Et comme il y a moins de gauchers, si tu es gaucher et que tu arrives à peu près à faire un contrôle et une passe, on te bascule latéral gauche, on te demande d'être offensif. Sauf que c'est pas le même métier. C'est comme si un attaquant de pointe, on lui disait jouer ailier droit ou ailier gauche. Milik, c'est pas un ailier droit, c'est central. Saliba, il est très fort derrière, dans l'axe. Si on le met latéral droit, il sera bon. Mais il sera pas aussi bon que dans l'axe. Et Camara, c'est pareil, il est fort dans l'axe. Tu le mets arrière droit, il est très fort, donc il va faire son match, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas là où il va exprimer le mieux ses qualités. Donc je pense que Luan Pérez aujourd'hui, je pense pour moi, il peut jouer latéral gauche. Il a plus un profil gauche, de central quand même. Mais central gauche, il sera encore plus à l'aise, je pense. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui va vite, qui a une bonne relance. Donc, il faudrait lui mettre un latéral en plus, quoi. Je pense. Ouais. Parce que lui, il pourrait faire cette première relance aussi. Il serait sur son bon pied, contrairement à Caleta-Car, pourquoi pas. Et il aurait ce piston gauche qui serait plus offensif. Et... Voilà. Mais c'est vrai que quand Sampaoli l'a fait avec Amavi, je crois qu'il l'a fait deux ou trois fois, ça n'avait pas fonctionné. C'est parce qu'en fait, il perd un milieu. Et en fait, c'est comme le choix du neuf devant. Lui, j'ai l'impression qu'il veut avoir beaucoup, beaucoup de milieux. Et par contre, les milieux, ils peuvent tous se projeter. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est très particulier, sa façon de jouer. Bon, moi, j'aime bien. C'est intéressant parce qu'on essaie de comprendre à chaque fois, surtout avec Guendouzi, qui n'a pas vraiment de poste. Ça. Allez, Ryan, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a notamment, après, ça rejoint un peu ce que vous étiez en train de dire, donc je ne sais pas si vous avez des choses supplémentaires à dire, mais c'est Abdelkader qui dit est-ce que vous prenez du plaisir, vous, en voyant l'OM jouer ? Parce que tu parlais un peu des actions, etc. Ouais, je sais. Donc ça rejoint un peu ça, mais c'est un peu une question un peu plus philosophique, presque. Non, mais j'entends cette question, elle est vachement intéressante, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui critiquent Sampaoli. J'avoue que par moments, je m'ennuie. Parce que ça joue trop à la baballe, c'est un peu trop attentif, ça manque de rythme. Mais globalement, je prends quand même du plaisir parce qu'il y a cette toute tactique où j'essaie de comprendre ce qu'il veut faire et tu domines. Mmh. Et aussi, la meilleure façon de défendre, c'est d'avoir la balle. Sauf si tu te fais taper comme en première mi-temps face à Lille ou tu te fais prendre parce que techniquement, tu n'es pas assez précis. Mais j'aime bien cette initiative-là. Quand Paul Lopez il se met entre les deux centraux et que tu crées une supériorité numérique à la relance et que tu essaies d'aspirer un peu des adversaires pour leur faire mal derrière. Moi, j'aime ça, quoi. Je m'ennuie pas de voir ça, en fait. Tu as des occasions. Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il les marque pas, ces buts. Mais je m'ennuie pas de voir cette équipe. Donc, je vais être patient, quoi. Que vous en pensez, messieurs ? Vas-y, Tistou. Moi, je pense qu'on a quand même beaucoup plus de certitude dans le jeu au jour d'aujourd'hui, depuis le début de saison. Enfin, pas
pas tout au début, parce qu'il a fallu quand même travailler le schéma tactique, mais maintenant, on a quand même... Moi, je suis beaucoup moins inquiet maintenant que, par exemple, la saison dernière, on l'a vu contre le match de Paris. Cette année, ben, j'ai pas spécialement souffert, quoi, parce que on a maîtrisé notre partie, quoi. Hein, on a fait jeu égal, quoi. Hein, même qu'ils étaient supérieurs techniquement, avec beaucoup plus de stars, mais que les autres années. Les classiques, bah, c'était compliqué, quoi. Ouais, on savait qu'on souffrait. Moi, je trouve qu'on a quand même beaucoup plus de certitude, quoi. Ouais. C'est, même si c'est pas flamboyant, c'est un football de champagne où tu marques 3 buts, 4 buts. Et puis après, c'est, je comprends aussi qu'il est pragmatique, qu'il a besoin de résultats, que ouais. C'est sur le plan comptable, c'est un championnat, c'est un marathon. Il faut rester tout en haut pour pas être décroché pour la qualification en Ligue des Champions. Donc je comprends un peu tout ce qu'on lui impose aussi à Sampaoli, parce que les dirigeants lui mettent la pression en lui disant maintenant l'objectif c'est d'être dans les 3 premiers pour atteindre la qualification. Donc lui maintenant il sacrifie peut-être un peu le football champagne qui nous plairait à nous, et que comptablement il veut des points, c'est tout. Moi, oui et non. C'est-à-dire que dans le style de Sampaoli, oui, c'est plaisant. Ça rappelle un peu Bielsa. Voilà, c'est sûr que ça sort des stéréotypes, etc. Donc, dans un premier temps, oui. Après, la difficulté aussi, et ça, c'est pas dépendant que de notre équipe, c'est que quand tu tombes contre une équipe qui tout le monde est derrière et qu'il n'y a pas d'espace, etc., bon, on va ressortir la phrase bateau. Il faut deux équipes pour faire un bon match. Donc là, ça peut te poser des problèmes. Donc voilà. Après, c'est sûr que parce que le style de Sampaoli amène, oui, il y a du plaisir. Le mauvais penchant de ça, c'est que hier, il y a eu des passages où c'était long. Mais bon, voilà, encore une fois, c'était un match de handball par certains moments, parce que c'est la physionomie du match. Et que l'autre équipe attend. Ouais. Contre Paris, je me suis régalé, parce que Paris n'est pas arrivé en se disant on va tout se mettre derrière. C'était un jeu équivalent. Et là, tu peux. Et là, tu t'es exprimé, le stade il s'est enflammé, et je pense que les joueurs sur le terrain ils se sont régalés. Quand tu tombes contre une équipe qui de base veut jouer en contre et qui se retrouve à 10 en menant 1-0, tu sais que le match, tu vas pas te régaler. Ouais, c'est sûr. Donc ça peut être plus frustrant qu'autre chose. Donc oui et non, il y a un peu des deux. Et moi, dernier argument, c'est toujours mon argument, c'est que, effectivement, des fois ça ronronne, et je suis d'accord avec ce que tu dis, je pense que c'est du pragmatisme, c'est-à-dire que tu tentes moins la passe où tu peux te faire contrer. Tu es vite pour éviter les contres. Donc du coup, tu fais des passes un peu supplémentaires et tu perds du temps. Ça, c'est réel, je suis d'accord avec toi. Mais le fait est que tu marques ne serait-ce qu'une ou deux occasions que tu as dans tous ces matchs-là, tu gagnes 3-0 à Bordeaux, personne râle. Tu gagnes hier soir 3-1, personne râle. Et on aurait un tout autre discours, parce que finalement, tu dis, mais quelle maîtrise! Ballon, tu fais tourner, t'accélères, tu marques tes buts, merci, au revoir. Là, t'as pas il manque cette finition. En plus, je crois que la possession hier, c'est 75%. Ouais, c'est énorme. Ah ouais, c'est un truc de fou. Quoi. Ouais. Et c'est une des rares fois où Paul Lopez a été exposé comme ça. Ouais. Parce que d'habitude, Paul Lopez, il y a un arrêt à faire, pas beaucoup plus. Donc tu maîtrises défensivement. T'es bien aussi solidité, parce que t'as la balle. Et que les autres, quelque part aussi en fin de match, ils ont couru après le ballon pendant tout le match, ils ont moins les énergies pour aller courir et essayer de te mettre des contres. Donc c'est la meilleure façon de défendre. Ils l'ont dit, c'est la philosophie aussi de Sampaoli. Moi j'aime bien cette philosophie-là. De dire, ok, il y a des moments, ça va être un peu le jeu à la baballe, mais on les fatigue les autres. Et après, mais par contre, il faut faire mal derrière. C'est ce qui manque aujourd'hui. Oui, c'est les 30 derniers mètres, la passe décisive, le but. On attend ça. Et quand ils vont retrouver ça, à mon avis, les scores, ils seront tout différents. On retrouvera des scores un peu plus fleuves. Bien sûr. Et c'est pas grave si tu prends un but derrière. T'en marques 3, t'en prends un. Moi, je préfère un 3-1 qu'un 0. Hein. Ah oui, non, mais on est d'accord. Hein. Après, hier, le but que tu prends, tu le prends sur un coup de pied arrêté aussi. Oui, oui. C'est rageant, parce que c'est une erreur de marquage. C'est un oubli en plus de Saliba, ce qui est très rare. Ouais, donc, s'arrête bizarrement sur cette action. Ouais, alors après, ça peut arriver. Après, il y a des blocages, ça fait un peu comme des blocs au basket. Bien sûr, il n'a pas le temps de le contourner. Mais bon, voilà, comme tu dis, il y a une solidité qui se dégage. Donc, Ouais, puis Saliba, on ne peut pas lui taper dessus vu le début de la saison. Non, parce que même dans le match qu'il fait derrière, il est solide. Il est solide encore derrière. En contre un, il fait peur quand même, hein, physiquement. Devant le mec, il se retourne techniquement, il se retourne. Depuis le match aller où on perd 2-0 à Lille, derrière, on a trouvé une défense. Avec la sobriété de Tchaletatsar. Ah ouais, c'est. Ouais, c'est vrai. Ouais, les deux, ils vont bien derrière. Ça va bien.
On verra la suite. Est-ce que tu as d'autres questions, Aurélien? Écoute, on peut s'arrêter là si tu veux. On a fait 1h16 d'émission déjà. On est pas mal. On est pas mal. Ça peut être déjà pas mal. J'en avais sélectionné d'autres, mais au pire, je les garde pour demain, pour le débat fac. Ça peut être bien. On va instaurer des choses comme ça. Ouais. On y travaille. Je devais confiner la semaine dernière, mais il y a eu les cas contacts, les cas Covid. C'est pour ça qu'on se tape ces masques insupportables. On évite le Covid ou le cas contact Covid parce que pour travailler c'est très compliqué. Et on va réorganiser un petit peu tout ça, on va vous tenir au jus. On fera même une vidéo avec Mourad pour vous expliquer tout ça. Donc restez connectés. Je vous dis merci messieurs, merci Gaël d'être venu, c'est toujours un plaisir avec toi. Merci pour l'invitation. Merci Titi d'être venu. Merci Nico. Titi, on reparlera bientôt avec toi. Il y a une association qui arrive que tu es en train de créer. On sait que tu fais plein de choses intéressantes pour aider les enfants en général. Donc on parlera de ça bientôt, tu auras des choses à nous raconter. À raconter, oui. Donc voilà, on reste en contact. Merci à vous tous, rendez-vous demain 15h30 pour le débat fac. Sur Twitch, donc je vous mets le lien dans le chat YouTube pour ceux qui veulent aller nous suivre sur Twitch. Comme ça, au moins, vous pourrez regarder la mission demain en direct à 15h30. Et ça sera bien sûr en replay sur YouTube. Bien sûr. Et rendez-vous jeudi pour le débat fac, débat foot Marseille, pardon, je vais y arriver. Et donc le match samedi 21h à Lens, ça sera un super match. Merci à toutes et à tous, à très bientôt. Ciao, ciao.